Cucu, c'est Brugno. Regardez. Je vais essayer d'en sortir deux, trois pour faire plaisir à la... pour amuser la galerie. Je sais pas si je vais trouver des trucs marrants en magasin. En tout cas, je vais chercher. Pendant que je fais la vidéo, je cherche ma petite tête. Je retourne le machin. Regardez. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai avancé. J'ai fait la découpe là, oui. Pour pouvoir poser mon bout de bois dessus. C'est pas évident avec les clous, oui. J'ai essayé de bien... J'en ai touché un petit, là. Avec la tronçonneuse, j'ai affûté deux, trois fois, oui. C'est la misère. C'est la misère, la misère, la misère pour y faire. C'est pas facile, il y a des clous partout, oui. Et je me suis repris ça encore dans la tête, les amis. C'est pas évident, faut mettre un casque. Voilà, vous voyez. Comme ça, ça sera mieux. Je pourrais mieux arriver à poser le bout de bois. Vous voyez, c'est encore comme ça. C'est encore dans l'état. Vous voyez, c'est encore comme ça. Je m'en vois un peu, ça me fait de la tension dans la tête, vous voyez, quand je travaille. C'est embêtant. Là, il faut que je mette après un bout de bois là, vous voyez. Un gros ici. Tout le long. Et puis, on disait avec mon père, un milieu comme ça. Pareil derrière. Et après, on rajoute les bouts comme ça, sur le gros. Un mi-bois, ça sera pas mal, ça suffira. Je vais vous montrer ça. Ça sera plus mieux bien. Ça sera plus mieux bien. Regardez, on va voir. J'ai pas besoin de faire de blagues pour faire des fautes de français. Mais j'en rajoute un peu, je sais que ça plaît. Oh là là, regardez ça. La petite courgette. Allez, ça y est. Tout ce qu'elle sert. Oh là là. Allez, ça y est. Elle va pas aller loin. Mais elle essaye quand même. Qu'est-ce que vous voulez? C'est mieux que rien. Ça en fera une de plus. Bah ça, on sera content. Faut que je fasse attention, après les rongeurs vont la manger. Faut pas... Je vais vous montrer dans le garage aussi. Puis changer. Vous voyez, ça c'est un petit peu la fin des haricots. Ils poussent encore, mais... Quelques-uns, vous voyez. J'ai pris encore une poignée. Je suis monté d'un kilo 6 à 1 kilo 7. C'est comme ça. C'est fini. Regardez, j'ai raboté ça. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, bougez pas. Regardez. J'ai fait ça. J'ai raboté une planche, là, regardez, comme ça. Ouais, je vous montre. J'ai raboté le bout, là, regardez. Droit. Je lui ai fait une face droite. Comme ça, hein, avec la règle. Et deux faces droites, oui. Je l'ai fait. Pour mieux que ça s'appuie. Il va pas mal, mon petit rabot, regardez. Je vous le montre. C'est un petit génium. Franchement, c'est bizarre, il est costaud. Hein. C'est un petit machin pas cher. Je sais pas comment ça se fait. Il va bien comme tout. C'est dingue. J'aurais pas pensé que c'était si solide. Pourtant, c'est des trucs pas de grosse qualité. Vous voyez, j'ai déjà tout coupé comme ça, regardez, les amis. J'ai coupé les bouts comme ça, regardez. Tout là, j'ai tout fait 1m90. Comme ça, j'aurais plus qu'à déligner. Je déligne, j'y mets parallèle, vous voyez, je déligne. Et après, je mets ça dessus à 1m75 de long. Deux d'un m75, ça me fait l'écartement. Des poteaux, voilà. Et je poteau. Après, on poteauifie. On poteauifie toute la maison. Toute la cabane, on la poteauifie. Et après, on est tranquille, les amis. Je voulais vous faire un bon week-end aussi. C'est pour ça. Je vous ai pas tous répondu sur les vidéos. Vous savez, je suis... ça me tape derrière la tête comme ça, vous voyez. Alors, j'ai des boules caisses pour dormir parce que c'est bruyant la route. Et ça fait... Ça tape derrière. Dans les oreilles, ça fait... J'arrive pas à dormir. Là, ce matin, je me suis endormi. C'était 8h30 du matin. J'arrive pas, je me suis levé un peu de bonne heure. J'essaie de me pas trop rester couché quand même. Mais ça fait dur. Hein. Franchement, je suis hyper épuisé. Là, j'ai fait tout ça. Ouais. Ça me tape bien. J'ai de la tension. Derrière, en Corse. J'ai de la tension en Corse. J'aimerais bien vous faire deux, trois trucs marrants. Mais je sais pas comment faire. Je sais pas quoi faire. Vous me prenez au dépourvu. Enfin, c'est moi qui ai mis à la cam. Ouais, mais je suis appelé par mes amis. Je le sais qu'ils m'aiment bien. Je vais leur faire des petites blagues. Je cherche quelque chose pour vous faire rire un peu. Une douleur en corse. Cherchez mon corse. Oui, c'était un truc bête. Vous me connaissez. Une douleur. Je le refais. Vous faites comme si j'avais rien fait. Regardez là-bas. Regardez. Une douleur en corse que j'ai. Là. Les amis. Il faut bien rire un peu. En tout cas, regardez. Avec une comme ça, vous vous rendez compte? C'est une petite scie. J'ai remis une belle lampe dessus. J'ai mis une lampe... à 25 euros. Elle est de bonne qualité, voilà, l'arme que j'ai remis dessus. Donc, elle coupe mieux. Là, maintenant, ça va, elle va se calmer. Elle commence à plus trop couper, vous voyez. Mais c'est une bonne lampe, comme que j'ai mis.
Elle est de bonne qualité. Ça compte les outils de couple. Ça compte les outils de couple. Je prenais du Freud et tout avec mon frère qu'on avait. Outils de machine. Ça coûte bien Freud, ça part du mauvais outil. Ça coûte bien. Enfin, il y a des grosses marques et tout. Il y a Isocel aussi, on avait. Ça coûte. C'est bon Isocel, hein. C'est des bonnes marques. Bah, c'était des pros qui nous les vendaient. C'était des bonnes marques. Des fois, ils vendent aux amateurs. Isocel, les amis, en scie circulaire. Regardez. Là, il y a plein de marques qui sont bonnes. Regardez, vous voyez? C'est déjà coupé comme ça, hein? On a 11 bouts, vous voyez? Ça peut faire 3 rangées en bas, puis 2 en haut, je pense. Il y en a qui sont un peu bizarres, comme ça. Ils sont moins, pas très gros. Mais bon, ça sera pas mal, je pense, hein? Ça abritera le bourg. Il y en a encore pour quelques jours. Puis après, j'aurai fini celle-là, c'est qui va pas mal. J'aurais bien aimé celle à pile, vous voyez, les amis. C'est un peu emmerdant comme ça, mais elle va pas mal, cette tronçonneuse, franchement. J'en suis content. Elle est costaud, hein. J'ai tout coupé ça hier avec. Elle coupe quand même, hein. Elle va bien. Ça, c'est un petit manche de outil que j'avais refait, vous voyez. Il est costaud, de la cassière, du robinet. Ça va bien, le robinet. Voilà. Ben voilà, les amis, j'en ai quelques-uns à mancher, petit marteau comme ça, je vous montrerai aussi. J'en ai plusieurs à mancher. Ouais. Ah ouais, on avait dit le petit rabot. Je voulais le montrer. Le jeune, il m'avait dit qu'il était beau. Regardez. Plusieurs m'ont dit qu'il était beau, je crois. Hein. Scutergone, il m'avait dit. Hein. Il est beau, ce petit rabot. C'est un petit rabot comme ça, toi. Il est joli, hein. C'est vrai qu'il est joli. Hein. Je sais même pas ce que c'est comme marque. Je regarderai sur le fer. Je le démontrerai pour vous dire. Hein. Je vais voir. On va regarder. Hein. Attendez. Je peux pas d'une main, c'est dur. Hein. Je vais regarder, attendez. Attendez. Je tape derrière. Hein. Voilà, les amis. Je prends les fers. Il faudra le redétruire. Oula, c'est un Peugeot. Peugeot, regardez. C'est des bonnes marques. Non, c'est un... Ouais, Peugeot et frère, regardez. Peugeot. C'est un Peugeot. C'est exceptionnel, ça. C'est super. C'est bon, ça. C'est de la même catégorie que... C'est de la même catégorie que... Comment on appelle ça? Que Marnet, ça. Et puis que... Que t'as passé. Regardez. Peugeot et frère. C'est de la même marque. Vous avez le fer a l'air d'être d'assez bonne qualité, d'ailleurs, en plus. Hein? Il m'a l'air d'être assez exceptionnel. Exceptionnel. Regardez. Il m'a l'air d'être assez exceptionnel, le fer. Hein? Hein? Regardez, je pourrais me raser avec ce que je voudrais. Il est assez exceptionnel, regardez, l'acier en arrière, non? Je sais pas ce que vous en pensiez. Ce que vous en pensiez, non? Les amis. Les amiches. Non? Vous en pensiez? Allez, j'arrête, les amis. Après, vous allez me faire pour un dingue. Voilà, regardez. En tout cas, regardez, je vous souhaite un bon week-end. Un bon week-end. Hein? Profitez bien, amusez-vous bien. Votre petit Bruno vous fait un bon... Des gros bisous pour le week-end. Voilà. Éclatez-vous, amusez-vous, les amis. Voilà. Vous voyez? C'est un Peugeot et frère. Regardez l'acier. C'est des bons aciers. Ça, c'est un peu. Regardez ça, celle-là, c'est pas. Regardez. C'est un peu de la double. Que celle-là, regardez. Regardez. Un bon acier. Il est bien dense. Ah, ça, c'est pas un acier super qualité. Regardez. On voit, ça sonne un peu bizarre. Elle me sert quand même, en tout cas. Regardez, je l'ai un peu redressé déjà, la lame. C'est mon oncle qui l'avait voilé, il me l'a donné. Mais vous voyez, quand vous avoyez pas comme ça, il l'avait tout voilé. Quand vous avoyez pas les dents, il n'y a pas le passage de la lame. Et quand vous êtes en boucle, vous repartez, ça pince. Il l'avait tordu beaucoup. Là, je l'ai un peu redressé sur l'enclume. Je la redresse avec ça, vous voyez. Ils disent que ça ne se redresse pas. Mais en vrai, ça se redresse un peu quand même, les amis. Regardez, avec ça, je redresse. Oui, c'est un vieux marteau, il est beau, il va bien. C'est bien, les vieux aussi. Regardez, je tape avec comme ça. Des coups comme ça, je lui fais. Je peux pas vous montrer. Je tape des coups comme ça, regardez. Des fois, je fais des voilages comme ça, regardez. Quand c'est tordu là, comme ça, je fais comme ça, regardez. Je détends comme ça. Des fois, ça va bien. En croissant de lune, comme ça, j'ai fait. Et ça va pas mal, ça descend, vous voyez. Il faut arriver à décomprimer un peu la partie qui est trop... Enfin, si c'est trop voilé, ça peut pas. Ça ira pas. Mais comme c'est juste un peu froissé, des fois... Vous voyez, en tapant comme ça, en plusieurs fois comme ça, les amis, on arrive un peu à détendre l'acier. Elle était tordue, je vous dis pas. Et bien, regardez,
Je l'ai un peu redressé comme déjà. C'est déjà mieux. Quelques coups encore, les amis, on va y arriver. Ça les redresse, ils disent que ça le fait pas, mais ça le fait, ouais, c'est bête de dire ça que ça le fait pas. Parce qu'ils le font, les mecs, ils planent les lames de scie comme ça. Moi, j'ai vu des planeurs spéciales, des spécialistes, ils les retouchent, des grosses lames d'un mètre. Les mecs, c'est des métiers. Ils le font. Hein. Voilà, les amis, mes petits amis. Oh, un cornichon, il pousse. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Regardez ça. Eh ben, c'est bien. Ça me fera un cornichon de plus. Une tomate de plus. Non, je les garde pour les graines. Ici, il y a des souris, il faut faire attention. Ben voilà, mes petits amis. Je vous ai tout montré. Ça, c'est mon petit arbre. Regardez, il pousse. Hein. Et le petit à côté, oui, il était en retard. Voilà, je vous fais des gros bisous. Hein. Je vous souhaite un bon week-end. Comme je vous ai dit, hein, tous. J'irai voir après un peu vos chaînes, là, ce soir. Quand je dors pas, je vais rôder sur vos chaînes. Je vais tourner, je vais regarder un peu. Des gros bisous, les amis. Profitez bien.